Je veux t'inviter à te tenir debout, s'il te plaît. Nous allons lire le verset simplement. Et je veux que tu puisses le méditer pendant un moment, après même le culte. Éphésiens chapitre 3, nous lisons le verset 20. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. À celui qui peut faire. Par la puissance qui agit en nous. Par la puissance qui agit en nous. Infiniment au-delà. De tout ce que nous demandons. De tout ce que nous demandons. Ou pensons. À lui soit la gloire. Dans l'Église et en Jésus-Christ. Dans toutes les générations. Au siècle des siècles. Amen. Quelqu'un dit à celui. À celui. Qui peut faire. Regarde ton voisin, dit à celui. À celui. Voisin, à celui. À celui. Qui peut faire. Au-delà. De ce que. Tu demandes. Ou même. Que tu penses. Par la puissance. Qui agit en toi. Voisin. Par la puissance. Qui agit en toi. À lui seul. À celui-là seul. Soit la gloire. Pas à tes diplômes. Pas à tes relations. Pas à ta beauté. Pas à ta beauté. Ni à ton intelligence. Mais à Jésus seul. Soit la gloire. De tout ce que tu as. Pour des siècles et des siècles. Amen. Assieds-toi. Quelqu'un dit avec moi dunamis. Quelqu'un dit dunamis. J'ai pas compris. Dunamis. Quelqu'un dit dunamis. Dunamis. Vous savez, quand la Bible parle de celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, amen. Quand on parle de celui qui peut, le grec qui est traduit ici dans Éphésiens, c'est dunamis. C'est-à-dire par coutume, c'est-à-dire par sa capacité. Et quand on parle de coutume, c'est-à-dire comme il a l'habitude de faire. Une coutume, c'est une habitude. Une coutume, c'est une chose qu'on a l'habitude de faire. Ça veut dire que notre Dieu ne fait pas des miracles, ce n'est pas un amateur miracle. C'est un professionnel. Il a l'habitude de faire ces choses. Yes. Il a l'habitude de prendre le pauvre et de le mettre à la table des rois. Il a l'habitude de rendre le pauvre riche. Amen. Il a l'habitude de rendre le faible fort. Amen. Il a l'habitude de rendre la stérile féconde. Amen. Il a l'habitude de rendre le malade guéri. Amen. Il a l'habitude de réveiller les morts. Yes. Ce ne sont pas des choses qui sont inhabituelles. Yes. Ce sont des choses qui sont habituelles. Quelqu'un dit Dunamé. Dis avec moi, c'est sa coutume. La Bible dit à celui qui peut, c'est-à-dire celui dont la coutume est de faire. Dunamé. Celui dont la tradition est de faire. C'est pour dire que tu ne peux pas être dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas être dans un pays sans respecter la coutume du pays. Oh, ça veut dire que quand tu es avec Dieu, Dieu applique dans ta vie la coutume de l'endroit où il est. Or, la coutume de Dieu, c'est de faire au-delà de ce que tu imagines. Ça, non, tu n'as pas compris. Le propriétaire allait s'élever pour saisir la parole. Parce que la coutume de Dieu, c'est de t'envoyer réellement à avoir la victoire dans tes combats. Amen. C'est de t'envoyer à être guéri quand tu es malade. Amen. Ah, tu n'as pas dit amen, on faisait un pas en avant. Ce n'est certainement pas de toi je parle. Celui qui saisit la parole, l'Éternel accomplit dunamé dans sa vie. Amen. La coutume de Dieu va s'accomplir. Yes. Quelqu'un dit la coutume de Dieu. La coutume de Dieu. Quand tu te bats dans un village et que la coutume c'est qu'on verse la boisson avant de commencer une cérémonie, alors on ne commence aucune cérémonie sans verser de boisson. Quand tu arrives dans une nation et que la loi dit que la coutume c'est que tout le monde roule avec le volant à gauche ou le volant à droite, ton volant doit être à gauche ou ton volant doit être à droite conformément à la coutume. La coutume c'est la loi. La coutume c'est l'habitude. La coutume c'est ce qu'on fait de manière habituelle. Or, ce que notre Dieu sait faire de manière habituelle, c'est le miracle. Amen. C'est pourquoi j'ai envie de te dire, ne combats pas le miracle. Parce que le miracle, c'est la coutume de Dieu. Amen. J'ai envie de te dire,
quand la main de l'homme s'arrête, c'est là que commence la main de Dieu. Amen. Ça veut dire que notre Dieu est un Dieu de miracle. Yes. Le miracle, c'est l'intervention de Dieu dans la vie d'un homme. Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, ton voisin est choqué. Ta voisine est choquée. Yes. Ton mari est choqué. Yes. Tes frères sont choqués. Yes. Ton pasteur est choqué. Yes. Toi-même, tu es choqué. Yes. Tout le monde est choqué parce que la main de Dieu est au-delà de la main des hommes. Amen. Je pensais que quelqu'un a dit, Seigneur, envoie ta main dans mon affaire. Envoie ta main dans mon affaire. Quelqu'un a dit, Seigneur, envoie ta main dans mon affaire. Envoie ta main dans mon affaire. Je voyais quelqu'un, Seigneur, pour dire, Père, j'ai besoin de ta main. J'ai besoin de ta main. En sautant sur un pied, Père, j'ai besoin de ta main. J'ai besoin de ta main. Écoute, l'esprit du prophète est soumis au prophète. C'est que ce que le prophète reçoit comme inspiration, c'est en obéissant à ça que tu reçois la bénédiction qui est dans l'inspiration. J'ai dit, en sautant sur un petit Seigneur, j'ai besoin de ta main dans mon affaire. Ta main dans mon affaire. Yeah, 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 yeah. Quelqu'un dit amen, et puis la chose amen. Arrive. Pendant que tu lui donnes un amen plus fort que ton voisin, amen. La main de Dieu descend dans ton affaire. La main de Dieu atterrit dans ton affaire. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit Dunamé, Dunamé, la coutume de Dieu. Le surnaturel, c'est le naturel pour notre Dieu. Amen. Le surnaturel, c'est le naturel pour lui. Yes. Donc quand les hommes disent c'est surnaturel, normalement pour toi ça doit être naturel. Parce que Dieu, sa coutume, c'est le surnaturel. Mm. Donc on ne doit pas être choqué de voir des femmes de 50 ans, de 60 ans, ou bien de 55 ans enfantées. Amen. Le médecin a dit, ah c'est une grossesse à risque. Faut dire mon ami, c'est une grossesse normale. Amen. D'ailleurs pour elle, même là, c'est encore trop normal. Mm. Parce que la grossesse anormale dans la Bible a commencé à 90 ans. Aïe. Dans la vie d'une femme qu'on appelle Sarah. Yes. La Bible dit qu'elle était âgée. Mais malgré cela, le Dieu qui a la coutume de faire des choses extraordinaires, qu'il va toucher Sarah, la Bible dit qu'elle qui était vieille à 90 ans, elle va enfanter. Et pourquoi? Parce que la science a dit elle est ménopausée, mais la science n'a jamais dit elle est ménostoppée. Ah. Je vais dire à quelqu'un que là où on a mis la pause, on peut mettre play. Amen. Celui qui a dit amène bien, quelque amen. Chose s'active dans sa vie. Au nom suprême de Jésus. Gabriel annonce à Zacharie que Dieu est capable de rendre sa femme Élisabeth enceinte. Il dit, comment ça va arriver? Je suis vieux. Et Élisabeth est vieille. La Bible dit qu'automatiquement, Gabriel va lui dire, je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu. Un, ta femme sera enceinte, mais de deux, toi, tu seras muet. Mm. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas la coutume, on dirait. Mm. Parce que tu es en train de sacrifier pour un Dieu dont tu ignores la coutume. Tu ne peux pas être à côté de l'autel de Dieu, Zacharie, sans savoir quelle est la coutume de ce Dieu. En tant que ce Dieu va te rendre fécond et toi, tu parles de ta vieillesse. La coutume de Dieu, mais c'est de faire là où l'homme n'est plus capable de faire. Amen. Mon ami, je n'ai pas besoin de Dieu si Dieu veut faire ce que je peux faire. Aïe. Mon gars, je n'ai pas besoin de Dieu s'il doit faire dans ma vie ce que je pouvais faire moi seul. C'est vrai. Si j'ai besoin de Dieu, c'est pour faire ce que je ne peux pas faire. Yes. Aïe. C'est pour faire ce que je ne peux pas faire. Yes. Et je ne peux pas faire de miracles. Yes. C'est pourquoi je veux dire à ceux qui font les miracles par le nom de Jésus et qui laissent les gens les acclamer, tu te mets en danger. Yes. Parce que quand il est en train de jouer du piano, joue s'il te plaît, augmente le volume. Quand il joue du piano, laissez-moi vous dire, il y a un bon son qui sort. Il y a une belle mélodie qui sort. Pourquoi? Parce que en réalité, le piano ne se joue pas lui-même. Le piano se joue par le pianiste. Mais arrête de jouer. Que le pianiste arrête. Automatiquement, regarde ce que le piano fait. Le piano se tait. Le piano arrête de jouer sa belle mélodie. Mais quand le pianiste recommence à jouer, le piano encore recommence à nous faire du bien. Alors pourquoi est-ce qu'on acclame l'instrument de Dieu sans oublier qu'aucun instrument ne peut donner son son de lui-même? L'instrument donne son son parce qu'il y a le pianiste qui est dessus. Yes. Alors arrête de dire aux gens que tu fais des miracles. Yes. Tu ne peux pas faire de miracles. Yes. Arrête de dire aux gens que tu es capable de guérir. Yes. Ou bien tu es le super méga. Yes. Écoute-moi bien, c'est de l'orgueil. Yes. On ne célèbre pas un piano à un concert, mais on célèbre celui qui a joué le piano au concert. Amen. C'est pourquoi ceux qui sont jeunes, je ne dis pas qu'ils ne sont pas de Dieu, mais je les exhorte à plus de sagesse s'ils veulent avoir la longévité. Parce que c'est une manière de lutter la gloire du pianiste. Et à un moment donné, le pianiste sera obligé d'arrêter de jouer pour que le piano réalise qu'il n'a jamais su jouer.
Parce que tu mets le piano dans la main d'un vaurien, tu seras étonné du même piano. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, je veux quelqu'un qui ne sait pas jouer au piano qui vienne. Dépêchez-vous. Voilà. Il est déjà là. Il est là. Toi, tu es mon gars. Check. Voilà, ne te laisse pas distraire. Reste concentré. Prends position. Amen. Voilà, un bon vaurien, zoomé sur lui. Il faut que sa femme sache qu'il vaut rien dans le piano. Un bon vaurien vient rapidement. Un vaurien qui est pressé de venir. Moi, je ne comprends pas les choses que des vaurien. C'est lourd. Une affaire rocambolesque digne d'un vaurien devant un piano. Allons-y. Je vais vous expliquer. Tout vaurien dans le piano qui se respecte. Quand il touche le piano, le premier chose qu'il fait, c'est. Et puis, quand c'est comme ça, le vaurien, il a un sourire. Et puis, il reprend. Voilà. Il reprend maintenant. Maintenant, joue-moi quelque chose de correct. Ah non, le morceau, on a chanté. Où tu sentais quand tu pleurais, tu tombais tous les yeux là. Il faut rejouer le morceau. Vous voyez qu'en réalité, il ne sait plus jouer le morceau. Parce que ce n'est pas le piano qui est fort. C'est celui qui jouait au piano qui était fort. Donc si Dieu t'utilise pour voir des choses extraordinaires, ne te fais pas appeler voyant. Parce que le voyant, c'est celui qui voit par ses capacités. Mais le prophète, c'est celui qui voit par la capacité de Dieu. Yes, je suis en train de dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter, donnons à César ce qui appartient à César. Yes, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Amen. S'il te donne des clients, ne dis pas c'est parce que mes produits sont bons. S'il te donne des marchés, ne dis pas c'est parce que je suis fort. Écoute-moi bien. Il prend les choses faibles pour confondre les forces. Amen. Tout ce que nous avons, nous l'avons parce que c'est dynamé. C'est la tradition de Dieu de prendre ses enfants, même s'ils ne méritent pas, pour les faire rentrer dans la maison du roi. Amen. C'est la tradition de Dieu. Amen. Personne ne peut adorer ce Dieu-là et rester le même. Personne. Parce que sa tradition, c'est de dynamé. C'est de faire quelque chose dans ta vie. Regarde, il a dit à Abraham, sors de la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai et je te... Il ne peut jamais marcher avec toi sans je te. Il y a toujours quelque chose qui veut te faire. Quand Dieu te dit donne-moi ta vie, il y a toujours quelque chose qui veut te faire. Quand Dieu te dit fais-moi confiance, il y a quelque chose qui veut te faire. Quand Dieu te dit prie-moi, il y a quelque chose qui veut te faire. Quand Dieu te dit faut gêner, il y a quelque chose qui veut te faire. Il n'y a jamais quelque chose que Dieu te demande de faire sans que lui-même il n'ait prévu de faire quelque chose. Amen. Tout ce que Dieu te demande de faire, sache que lui-même il y a quelque chose qui veut faire. Dynamé, faire quelque chose, c'est sa coutume. Yes. Dieu ne peut jamais te faire rentrer dans quelque chose où il n'a rien prévu pour toi. Mm. S'il te dit de faire quelque chose, obéis. C'est qu'il y a quelque chose qu'il veut te faire. Abraham a regardé le pays, il y avait un pays désertique. Et puis il y avait un endroit où il y avait le feu. Lot a choisi l'endroit où il y avait le feu. Abraham a choisi l'endroit où il y avait le désert. Mais finalement, quand on regarde dans la suite, Abraham devient plus riche. L'autre. Pourquoi? Parce que Dieu lui dit le territoire, il n'y a pas Hébla. C'est là-bas je te bénirai. Quand Dieu te dit quelque chose, obéis. C'est qu'il y a quelque chose qu'il veut te faire. Quelqu'un, c'est sa tradition. C'est sa tradition. Je n'ai pas encore touché Dunamis. Je suis à Dunamé. Celui qui peut. Celui qui peut. Quelqu'un dit celui qui celui peut. Qui peut. Voilà pourquoi la Bible dit je puis tout. Parce que le vrai pouvoir, là, c'est lui. Non, celui qui peut. Or, la même dit, je puis tout par celui. C'est-à-dire que sans lui, on ne peut rien. Donc, Dunamé, c'est lui. Celui qui peut. Dis avec moi, celui qui peut. Celui qui peut. Samedi prochain, je vais vous prêcher Dunamis. Par la puissance qui agit en nous. La puissance qui agit en toi, la Bible l'appelle Dunamis. Samedi prochain, tu vas voir quel type de puissance tu dois avoir. Mais aujourd'hui, je suis venu te parler d'abord de Dunamé. Celui qui peut. Dis à ton voisin, celui qui peut. Celui qui peut. Ah, tu n'arrives pas à te marier, regarde ta voisine, tu n'arrives pas à te marier. Dunamé, celui qui peut. Tu va voir celui qui est ce qu'on appelle Dunamé. Celui qui peut. Tu es malade, tu es allé partout, tu n'as pas trouvé solution. Celui qui peut. Si le médecin dit je ne peux pas, faut pas pleurer. Il y a celui qui peut. Si personne ne réussit dans ta famille, faut pas pleurer. Il y a celui qui peut. Si personne ne peut voyager dans ta famille, faut pas pleurer. Il y a celui qui peut. Si personne ne peut réussir, ne me plaît pas. Il y a celui qui peut. Il y a quelqu'un qui peut. Et il s'appelle Dunamé. Celui qui peut.
Il peut te prendre lundi dans la pauvreté, mardi te rend riche. Il est celui qui peut. Apprends à lui faire confiance. Je te dis, ne cherche pas un autre Dieu. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. C'est problème seulement. Il n'y a rien là-bas. Il y a celui qui peut. Ne te confie pas à un homme. Aussi grand soit-il, ne te fie pas aux hommes. Continue à te fier à celui qui peut. Votre problème, c'est que quand quelqu'un commence à vous faire du bien, vous oubliez de compter sur Dieu, vous commencez à compter sur la personne. Ne compte pas sur quelqu'un qui te fait du bien. La personne apparaît, la personne peut disparaître. Mais il y a celui qu'on appelle Dunamé. C'est lui qui peut. Il dit, malheur celui qui met sa confiance en l'homme. Remarque, quand tu fais tes calculs dans la poche de quelqu'un, on te double toujours. Arrête! L'homme ne peut pas. L'homme ne peut pas s'appeler Dunamé. Il y a quelqu'un qu'on appelle Dunamé. Celui qui peut. Qui va commencer à aller maintenant chez celui qui peut. Donc si tu as un problème désormais, au lieu de pleurer dans le téléphone, allô, aide-moi, mets-toi, je ne veux parler à Dunamé, celui qui peut. Il est celui qui incline le cœur des rois en ta faveur. Non, il peut prendre quelqu'un qui est milliardaire et puis lui dire, faut bénir mon fils, faut bénir ma fille, comme il veut, parce que c'est lui qui peut. Et il prend X. Il finit de l'utiliser, après il laisse la personne, il prend Y, il est le pianiste, il joue la note qui lui semble bonne. Il fait ce qu'il veut sur le piano. C'est pourquoi tu vois qu'un pianiste est talentueux, qu'est-ce qu'on remarque? Tu sens qu'il s'amuse, mais tu t'assois pour t'amuser comme ça, tu vas voir qu'il ne s'amusait pas. Qui me comprend un peu? Qui me comprend un peu? Amen. C'est pour dire qu'en réalité, quand nous regardons Dieu, on a l'impression que c'est simple. Ce n'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. C'est pourquoi si tu vois des gens venir te faire du bien, ne pense pas que c'est à cause de ton joli visage. C'est pas aussi simple que ça. Il y a des gens qui travaillent plus dur que toi, à qui yes. Dieu n'envoie personne pour faire du bien. Yes. Ne pense pas que c'est parce que tu es belle que les grosses voitures gardent. Yes. Non, il y a quelque chose qui est sur toi qui yes. fait qu'il y a Dunamé, yes. celui qui peut. Yes. Non, à cause de ça, il envoie des gens pour pouvoir à ta vie. Yes. Ne dis pas c'est parce que je suis belle. La yes. beauté est vaine et la yes. grâce est trompeuse. Pendant que les gens gardent la voiture, la Bible dit la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Yes. N'oublie pas que c'est Dunamé qui yes. donne toutes ses relations. Amen. Il est celui qui peut. Désormais, arrête de courir après les êtres humains. Cours après Dunamé. Quelqu'un dit Dunamé. Celui qui peut. Celui même si ton peut. Père dit, tu n'es plus mon enfant, il y a celui qui peut faire de toi son enfant. Yes. Même si quelqu'un dit, tu n'es plus ma femme, il y a quelqu'un qui peut faire de toi sa femme. Yes. Quelqu'un dit, non, tes parents sont morts, il y a quelqu'un qui peut faire de toi quelqu'un qui n'est pas orphelin. Il est celui qui peut. Yes. On n'est plus prêt pour t'aider, il y a celui qui peut t'aider. Dans n'importe quelle situation, il est la solution. T'es avec ma Dunamé. Dunamé. Celui qui peut. Tu sens que tout s'effondre autour de toi, arrête de paniquer. Dunamé. Yes. Réparer ce qui s'écroule, c'est sa coutume. Yes. C'est sa tradition. Il a l'habitude de faire. C'est un peu comme si on te dit, viens tel médecin va opérer ton fibrome. Tu dis, ah, est-ce que c'est un bon médecin? On dit, ma chérie, il a 300 opérations réussies à son actif. Mm. Donc, enseigne-moi de te dire que réussir les opérations, là, c'est sa coutume. Yes. Donc, quand il te donne son palmarès, quand tu te couches, là, tu t'endors en paix. Parce que tu sais que ce n'est pas n'importe qui est en train d'ouvrir ton ventre. Parce que sa coutume, c'est de réussir les opérations. Mm. Ça veut dire que quand tu te donnes entre les mains de Jésus, n'aie pas peur. Parce que réussir les miracles, c'est sa coutume. Il a plusieurs miracles à son actif. Oh yes. Quand vous montez dans les avions, vous ne connaissez même pas le pilote. Vous ne savez pas s'il est en pleine dépression. Vous ne savez pas s'il a goumé. Après qu'il s'est réveillé le matin, il a dit, ma femme m'a trompé, il m'a même tué. Et puis, qui me comprend? Et puis, tu es monté dans son avion, tu ne sais même pas dans quel état psychologique il est. Dans quel état émotionnel il est. Il a enfermé dans une cabine interdite au public. Ils ont écrit dessus, prac. Si c'est un fou qui est dedans, tu ne sais pas. C'est un gars, écoute, si c'est un gars qui a un esprit de mort, et la mort a prévu le trouver à 14h, et à 14h dans les ailes, avant lui, et puis il meurt comme ça, broussille. Qui c'est qu'il y a des gens qui meurent comme ça au volant? Et puis il doit mourir comme ça, boum. Tu ne sais même pas. Après qu'ils l'ont empoisonné, poison dans ses mains, santé, effet. Son ventre tourne, grou. Il pense que c'est un jeu. Il va mourir en l'air là-bas. Tu ne sais même pas. Mais l'hôtesse de l'air, bien sapé, vient. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons voler une altitude de 30 000 pieds, etc. Vous êtes à bord de Air France. Elle fait tout son travail là. Vos gilets,
Quand tu finis, tu mets tes écouteurs, tu mets un film, et puis tu t'endors en paix. Tu regardes film, tu écoutes morceau, tu es en paix. Or, tu sais même pas si c'est un fou qui est au volant. Mais en réalité, tu n'as pas peur parce que tu te dis que Air France savent ce qu'ils font. Ils ne peuvent pas donner ma vie à n'importe qui. S'ils ont confié ma vie à ce pilote, le pilote a pu m'envoyer en France. Et sans savoir qui il est, tu lui fais confiance, tu t'endors même. Mais regarde, quand il est là par le hublot, regarde à quelle distance tu es de la terre. Si c'est un dingue qui est là, tu es mort. Mais tu lui fais confiance. Jusqu'à tu dis aux gens, alors j'arrive à Paris et j'atterris à 8h, viens m'attendre, tu es sûr que tu seras à Paris. Oh, tu ne sais même pas quel pilote. Si tu arrives à faire confiance à un homme qui tient ta vie à une hauteur de 3000 pieds, pourquoi ne fais-tu pas confiance à Jésus? Jésus qui est capable de te changer. Amen. Jésus qui est capable de te transformer. Amen. C'est Jésus qui ne trahit jamais. Yes. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen, ça va dire. Quelqu'un dit, je préfère avoir confiance en Jésus. Avoir confiance en Jésus. Ton âme. Ton âme. Celui qui peut. Celui qui tiens-toi peut. Debout, nous allons prier. On devait finir à 20h30 minutes. Il est 20h32 minutes. Toutes mes excuses pour les 2 minutes. Je suis devenu un Français maintenant. Amen. Amen. Lève les 2 mains. Si Dieu te met à cœur de faire ta deuxième offrande, tu la tiens en même temps parce que je prie pour la faire. Dis à Dieu pendant que tu es en train de prier. Dis-lui simplement, Seigneur, c'est toi qu'on appelle Dunamé. C'est toi qui es celui qui peut. J'ai besoin qu'à partir de maintenant, que tu m'apprennes à te faire confiance. Il ne faut plus que je voie un ami comme celui qui peut m'aider. Il ne faut plus que je voie une soeur comme celle qui peut m'aider. Il faut que je te voie, toi et toi seul, comme celui qui peut m'aider. Maintenant, si toi tu veux toucher le cœur de quelqu'un pour m'aider, que ton nom soit glorifié. Si toi tu veux envoyer mon ami pour m'aider, que ton nom soit glorifié. Mais apprends-moi à compter sur toi. Et l'aide va commencer à parler à Dieu, je prie. À compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Dunamé. Apprends-moi à compter sur toi. Tu es celui qui peut. Apprends-moi à compter sur toi. Car tu exauces nos prières. Car tu exauces nos prières. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi qu'on appelle Dunamé. Celui qui peut. Celui qui peut faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous demandons. C'est toi qui peux faire infiniment au-delà. Parce que tu es Dunamé. Celui qui peut donner au-delà de ce à quoi nous pensons. Je prie que tu sois l'ami fidèle de ce peuple. Bénis-les. Accorde à chacun le don de foi. Apprends à chacun à compter sur toi. Et sois le centre de nos affaires, sois le centre de nos projets, sois le centre de tout ce que nous faisons, parce que c'est toi qui es Dunamé, celui qui peut. Gloire, louange te revienne, car tu prends le contrôle, tu prends le volant de nos vies, tu prends la direction et tu nous diriges dans de verts pâturages. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit 12 fois Amen. 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 Amen, 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 amen. Puissante offrande d'acclamation. Yes.